Guillaume Canet a été totalement subjugué par la prestation de sa femme Marion Cotillard aux côtés de leur ami Yodelis, lors d'un concert salle Pleyel à Paris ce samedi 25 mars. Marion Cotillard a de nombreux talents. Ce samedi 25 mars, la comédienne est montée sur scène aux côtés du chanteur Maxime Nucci, alias Yodelis, à la salle Pleyel à Paris ce samedi 25 mars. Il a interprété les chansons de son nouvel album The Circle face à un public enflammé dans lequel se trouvait Guillaume Canet totalement admiratif. Le réalisateur de 49 ans n'a pas hésité à filmer plusieurs performances de son ami, et n'a pas perdu une miette de l'entrée sur scène de sa femme ni de sa prestation incroyable. Il faut dire que le trio se connaît très bien puisqu'ils ont déjà tourné ensemble pour les films Les Petits Mouchoirs et récemment Rock'n'Roll. Guillaume Canet encense leurs prestations sur les réseaux sociaux à la grande surprise du public, Marion Cotillard est montée sur scène aux côtés de Yodelis pour chanter à ses côtés ses tubes Familiar Liar et Fade Away. La maman de Marcel, 11 ans, et Louise, 5 ans, a de nombreuses cordes à son arc puisqu'elle n'est pas seulement comédienne, mais également chanteuse sous le pseudonyme Simone. Si elle passe la plus grande partie de son temps sur les plateaux de tournage, il lui arrive encore de monter sur scène pour donner de la voix, ce qui surprend toujours les spectateurs. Et parmi eux ce soir-là, Guillaume Canet était totalement subjugué par leur performance comme il l'a partagé dans une publication sur son compte Instagram, à voir ici. Hier soir. Quelle tarte j'ai pris de voir mon ami Yodelis mettre le feu à la salle Pleyel en faisant danser tout le monde. Ce nouvel album qu'on attendait tant est sublime. Ce concert était fou. A-t-il partagé à sa communauté avec des vidéos de l'événement. Les internautes sont totalement sous le charme. Le réalisateur a continué, la bogossitude et la classe du gars, et les invités magnifiques comme Marion qui a largement contribué à cet embrasement. Bravo. Bravo. Max mon pote, j'ai revu pendant ce concert tellement de magnifiques moments qu'on a vécu ensemble. Je suis très heureux pour toi et tellement fier de toi. Et sous sa publication, les internautes ont exprimé leur enthousiasme devant la prestation de Marion Cotillard. Si est-il dingue, je ne savais pas que Marion chantait et surtout si bien. Ça devait être absolument génial en live, y a un truc qu'elle ne sait pas faire Marion? Bravo Marion Cotillard pour ce show et cette voix ou encore super artiste. Et Marion est une bien belle et talentueuse interprète, pouvons-nous lire dans l'espace commentaire. Views is post ton Instagram à post shared by Guillaume Canet @guillaumecanetofficiel, à lire aussi c'était très drôle, Benoît Magimel revient avec nostalgie sur Les Petits Mouchoirs, le film de Guillaume Canet.